tous ceux qui disaient que les non-vax mettaient en danger les autres. Question, sur quoi se basaient-ils pour parler d'un danger qu'ils ne connaissaient pas? Fin janvier 2022, un rapport officiel britannique indique que le niveau de certains anticorps est plus faible chez ceux qui ont contracté le Covid-19 après deux doses. Le gouvernement britannique a admis que les endommagent le système immunitaire naturel des personnes ayant reçu une double dose. Donc tous ceux qui disaient que les non-vax mettaient en danger les autres, question, sur quoi se basaient-ils pour parler d'un danger qu'ils ne connaissaient pas? Et surtout, sur quoi se reposaient-ils sans savoir de quoi ils parlaient? C'est comme si tu savais qu'un resto propose de la viande chelou. Exemple, une viande constituée d'ossements broyés, d'enfants morts. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Mais tu y vas une fois, pour goûter. C'est bizarre. Tu y vas une seconde fois, et après tu te plains que ça te rende malade. Mais le resto te dit, tu as commandé ça, car c'est à la carte. Tant qu'il y aura des personnes sur lesquelles on pourra abuser de leur confiance, de leur naïveté, dans le but de les pousser à consommer, eh bien, pour le resto, ça ira. Car le resto, il est là pour faire du chiffre. Ce resto aux mœurs pathétiques, il n'est pas là pour le bien-être de la clientèle, et encore moins pour soigner les gens. Le jour où on te présente de la merde, et on te dit, mange, c'est du bio, yaï. C'est pas parce que c'est bio que il faut forcément goûter, non? Tout comme les stocks H1N1 qui leur sont restés sous les bras. Covid-19, c'est pareil. Faire du chiffre. Ils sont là pour faire de l'oseille. Aucune bienveillance. Ce qui les amène à une insouciance vis-à-vis de la santé. Big Pharma et toutes leurs cliques, ainsi que leurs autres concurrents, ont tous au minimum triplé ou quadruplé leur chiffre d'affaires sur le dos d'un pangolin ou d'une chauve-souris. Toute cette histoire Covid-19 a été bonne pour que eux s'en mettent plein les poches. Ils se sont tous mis bien. Mais les ne sont pas tous mis bien. Les établissements américains de don du sang ne collectent que le plasma des personnes non-vax. La Croix-Rouge américaine a répondu « Oui, oui, c'est vrai, c'est pour des soucis d'efficacité. » Attends, deux secondes, pause. Si le vaccin est efficace, pourquoi repousser le sang de ceux qui sont vaccinés? Au lieu de t'injecter des choses non identifiées, injecte de l'amour dans ton cœur.